oui, c'est très roulant. Alors, régulièrement pour aller chercher le pain et puis pour aller faire une petite balade avec la petite. Très agréable, il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis bon, moi, je fais quoi, entre 40 et 50 km. Parfois, ma grosse difficulté ici, c'est quand je monte au belvédère des Caillettes. Alors vous voyez, c'est pas très haut. Il faut y aller tout simplement. Kilomètres du point de partage, c'est-à-dire que cette écluse-là fait 17 km sans la moindre vanne. Voilà. Vous allez sur Montargis, vous allez à le point de partage est sur non, ça doit être sur Coudroy qu'il est, c'est pas sur eux. Je suis un fanat du vélo aussi. Cet été avec les enfants, on a fait au départ de Ferrières-en-Gâtinais juste ici, via Orléans, Nantes, Saint-Nazaire. En fait, là, je suis sur mes parcours un peu hebdomadaires. Alors, moi, je suis parti de faire chez moi Ferrières-en-Gâtinais, je suis allé à Montargis ce fois où j'ai rejoint le canal et là, je vais aller jusqu'à Dormive. Là, je sors dans quelques kilomètres et je rentre chez moi. Oui. Et prendre une bonne douche et puis manger avec les enfants. Et que j'ai fait pas mal de vélo déjà, mais je connais pas la partie qui va sur Paris parce que j'ignorais en plus qu'il y avait une partie qui montait et qui passait par Paris. J'ai l'habitude de faire beaucoup de vélo, j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore, mais les voitures sont inadmissibles, dangereuses, ils vous frôlent, ils ne vous respectent pas, ils ne respectent rien du tout, il faut se pousser, il faut même abuser de rouler sur les trottoirs pour ne pas se faire renverser. Voilà. Par là, vous avez le pont suspendu, et derrière le pont suspendu, il y avait une piscine. Et nous, à notre époque, dans les années 60, 65, ben on nageait là-bas dans la Seine. Ah, c'est quoi? Ouais, c'est magnifique, hein.